Alors, mademoiselle, quel est votre nom? Voulez-vous bien me dire votre nom? Marthe d'Absolu de Gabastou. Hilde de Notre-Dame de Montagne de Yann d'Absolu de Gabastou. Hilde de Lou d'Absolu de Gabastou. Hilde de Rena d'Absolu qui espouse Adorno de Gabastou. Médige d'Arna d'Absolu et Médige de Bernatou d'Absolu. Continue de Tsawa de Luisande, filio de Danoman aussi la Moutunaria, noué les cendres de Tsawa de Luisande, garçon des Tsouzés de Luisande, qui est mari des dames de Tsawa, mais ce garçon des Jean-Baptiste de Luisande. L'œil de Tsawa de Luisande, mes frères, il y a troupe d'oreilles, voici troupeau, point d'Alsace. Catherine de Gasquet d'Agu, fille de Don Anne de Clermont-Sabra et de Lissandre de Gasquet d'Agu. Fille de José d'Agu, qui est celui qui a donné des Gasquets, et au même, fille de Jean-Baptiste d'Agu. Oui, de Gasquet d'Agu, mon frère, mourir des amas d'oreilles, un de Strasbourg, point d'Alsace. Point d'Alsace. Mon cousin Morguet dit la même bataille que ton frère. Mon père y retombe, mais il est à mais mon père était à Tachem, le Singam. Et mes résumés, moi, tu peux me mon père ne sait que seul genre de combat est grand. Mais c'est arrêté, il faut pas qu'il y ait une mort dans la bataille. Et Yulon est dit. Mais c'est à ce moment-là, même pas la écoute ou pas. Mais pas il faut. En étant bête. Silence, mademoiselle. Bientôt, vous parlerez toute la même langue. Il n'y aura plus de différence entre vous. À présent, vous êtes toutes de la même maison, de la même province et du même royaume. Et vous êtes toutes des filles du roi. Cela fait un mois que je suis ici. J'apprends le français que je ne savais pas et j'oublie le patois que je savais. Répétez. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, mesdemoiselles? Répétez. Simoni, Eli, Rami. Répétez, nous n'y arriverons pas comme ça, mesdemoiselles. Cela fait un mois. Bravo! Cela fait un mois que je suis ici. Ah! Ah! Oh, oh, oh. Voyez-vous, Pérou, vous n'avez pas lu M. Molière. Tels sont M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Nos petites comprennent le français, mais ne le savent pas. C'est